Elles sont infirmières, elles sont aides-soignantes, elles sont caissières, enseignantes, aides à domicile, travailleuses sociales. Depuis le début de la crise, nous avons pris l'habitude de mettre en avant ces fonctions héroïques. Nous les avons applaudies, nous les avons remerciées. Et souvent, ce sont des femmes à ces places-là. Oui, les femmes sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Elles sont en première ligne dans le quotidien de nos sociétés de tout temps et partout. L'OMS considère que 70% des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sont des femmes. Pourtant, ces métiers si utiles, indispensables même, sont peu considérés et sous-payés. Dans la sphère domestique, de même, on le sait aussi, ce sont les femmes qui effectuent la majorité des tâches ménagères et qui s'occupent des enfants. En moyenne, 3 fois plus que les hommes. Ces missions essentielles, non rémunérées, pèsent lourdement sur leurs épaules et avec le confinement, les mesures prises, comme la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, cela a renforcé la surcharge de travail pour elles. Un exemple, les grandes revues internationales scientifiques ont reçu moins d'articles rédigés par des chercheurs femmes pendant le confinement qu'à la même époque l'année dernière en 2019. Et dans le même temps, ils ont reçu plus de production par les hommes. Donc pendant le confinement, les hommes ont fait plus d'activités valorisantes et les femmes ont consacré encore une fois plus de temps aux tâches ménagères. Donc oui, la crise sanitaire n'a pas touché de la même manière les femmes et les hommes. Mais les grands plans de relance, les plans de transformation économique et écologique que nous élaborons dans nos pays comme dans l'Union européenne ne prennent jamais en considération la dimension du genre. Les grands secteurs qui vont être aidés massivement, ce sont les secteurs industriels, les secteurs du transport, avec majoritairement des emplois masculins. Encore une fois, nous n'allons pas investir dans la santé, dans le soin. Et encore une fois, nous n'allons pas penser l'avenir, repenser nos économies, repenser nos sociétés, avec dans la tête la place des femmes. Pour les écologistes, il est important de repenser notre avenir européen commun après Covid-19, en ayant en tête l'importance de l'égalité femmes-hommes et l'importance de la question du genre.